Hello, hello! Aujourd'hui, du coup, on va faire un petit DIY sur le thème du Disney avec des petits cookies qui iront avec le DIY. Mais surtout, je suis avec une invitée très spéciale, Anaëlle. Bonjour! Ah, ça me stresse! T'inquiète! Moi aussi, j'étais stressée au début, mais ça me t'inquiète. Tu veux commencer par te présenter? Oh, bah non! Faut que je te présente? Bah, bien sûr! Ok, donc Anaëlle est aussi sur les réseaux sociaux, donc YouTube et Instagram, Anna Swite. D'ailleurs, pourquoi Swite vu que c'est pas ton nom de famille? Swite, c'est un diminutif de Snow White. Parce qu'on compare beaucoup à Blanche-Neige, donc j'en ai fait un jeu. Et elle a un contenu que j'aime énormément regarder, qui est très qualitatif. La petite pépite, c'était le vlog à Grand Canaria, que j'ai adoré regarder. Donc si jamais vous vous ennuyez, vous savez quoi faire, vous avez sa chaîne à saigner. Du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va se fabriquer un petit moule en aluminium. Donc on a pas mal de stock. Et pour être sur le thème de Disney on va le faire en forme de la tête de Mickey. Parce qu'on est toutes les deux des grandes fans de Disney. Même s'il y a énormément de Disney que je dois regarder et que je n'ai pas regardé. Je les ai retrouvés il y a 3 ans moi. Alors ça va. Et du coup pour utiliser ces petits moules on va faire des cookies. Comme je suis vegan on va les faire vegan. Et sans gluten. Le côté avec et sans gluten, le seul truc à changer c'est la farine. Donc c'est très simple en fait. Enfin, en gros j'utilise la farine d'épeautre parce que je peux pas consommer de la farine de blé. Ça contient quand même du gluten mais celui-là je le supporte. Et elle a les mêmes propriétés que le blé donc j'ai rien à changer dans la recette. Et c'est pas forcément le cas par contre avec des farines comme le riz qui sont un peu plus sèches, pâteuses. Où là il faudrait peut-être adapter les quantités mais l'épeautre c'est très pratique, il n'y a pas de quantité à changer. Donc farine de blé ou d'épeautre, la recette sera la même. Je savais pas. Voilà. On apprend tous les jours. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par le moule, donc pour ça on a pris un crayon, deux petites feuilles de papier qu'on a oublié de scotcher avant. Et pour tracer on va utiliser des capuchons de boîte pour tracer la tête de Mickey. Juste couper. C'est long. On a scotché nos deux feuilles ensemble et on a pris le grand capuchon pour faire la tête de Mickey. Donc on a tracé le contour et on a fait la même chose avec les petits capuchons pour les oreilles. C'est plutôt pas mal, on dirait un ours. Un ours, une souris, c'est la même chose. Place au découpage. Donc on a la petite forme de Mickey et on va passer à l'aluminium. Je sais pas trop encore comment on va faire. Je pense qu'il faut essayer de faire une sorte de boudin aplati le plus long possible qu'on va mouler et ensuite on fera un dessous qu'on accrochera sur le bord pour la maintenir en place. On prend l'aluminium et on découpe une bande assez large. On va la replier sur elle-même plusieurs fois pour avoir une bande plus fine mais plus rigide. Pour l'enrouler, on peut passer les doigts un petit peu comme ça. Pour joindre deux portions d'aluminium, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite bande. On va enrouler au niveau de la jonction entre les deux pour pouvoir faire le raccord. Ah non. Est-ce que je vais y arriver comme ça? Bon, non, on déroule. J'ai déchiré. On place la bande sur le patron qu'on a fait et là où les angles sont nécessaires, on va plier en deux l'aluminium et le déplier légèrement pour qu'il y ait le pli souhaité. On répète ensuite l'opération pour finir Mickey. Et une grande feuille pour le dessous. On dépose le patron et la forme de Mickey sur la nouvelle feuille d'aluminium. On fait des entailles au niveau des angles et on va ensuite rabattre l'aluminium sur les bordures qu'on a déjà faites pour que le tout soit bien maintenu. Donc maintenant qu'on a une petite tête de Mickey ou d'ours. La caméra ça va, ça ressemble à Mickey quand même. Ah, il y a peut-être les oreilles un peu rapprochées quand on regarde dedans. On va regarder les vrais Mickey comme ça. Mais après là c'est un... il a les oreilles pas très rondes. Et du coup on va enlever la feuille de papier qu'il y a dans le fond. Ah, parce qu'elle est plus pratique en fait. Ça y est. Bien joué. On va mettre ça de côté et on va passer au petit cookie. Il y a un suspense quand même parce que c'est aux pépites de chocolat noir. Je suis pas trop fan du chocolat noir non plus, donc vraiment c'est vrai. Aller. Mais en cookie normalement ça passe. Alors pour des questions de logistique, j'ai fait un prémix. Si je me voyais mal me trimballer dans Paris avec un pot de farine, un pot de sucre, un pot de machin, un pot de truc. J'ai mis tous les ingrédients secs dans ce petit pot, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis dedans. Ah oui, il faut savoir un truc, c'est que les recettes de cuisine, généralement, ils vous disent mettez d'abord tel ingrédient, puis tel ingrédient, puis tel ingrédient. Moi, je mélange tout, en général, ça marche. L'idée, c'est pas faire de grumeaux, sinon c'est bon, c'est tout quoi.
Donc j'ai mis 200 g de farine, donc comme je vous disais, soit à l'épeautre, soit au blé, peu importe. 50 g de rapadura, c'est un sucre qui a un goût assez fort et un pouvoir sucrant assez fort. Mais ça donne un petit goût au gâteau que j'aime beaucoup, mais du sucre normal ça fait aussi. J'ai mis 3 cuillères à soupe d'arrowroot, donc c'est une sorte de fécule, ça va remplacer tout ce qui est maïzena, fécule de pommes de terre, de riz, etc. Et surtout l'œuf qu'il n'y a pas dans la recette. J'ai mis environ une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude qui remplace la poudre à lever, la levure quoi. Vous pouvez mettre de la levure, c'est pareil. Et une pincée de sel. Ah oui, et Annaëlle n'a pas de balance, donc il va falloir faire sans. Oups. Un fouet ou pas un fouet pour la pâte à cookies? En vrai, souvent je les fais à la fourchette parce que c'est moins pénible, ouais, à laver. Il me semble que le fouet c'est chiant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre tous les ingrédients secs, vu qu'on les a. Ouais, c'est pas très ingrédient, mon truc. Hop, on va faire un petit puits. Ah, tu fais même le puits? Mais même ça, je fais pas. J'en ai mis à côté déjà. Faut savoir que quand je fais la cuisine, j'en ai partout. Je le fais pas exprès, mais j'en ai partout. Ça. Ce qu'on va faire, c'est que par rapport à la recette de base, on va simplifier un tout petit peu la recette parce que normalement, il faut du vinaigre de cidre et du lait végétal. Mais c'est l'histoire de une cuillère à soupe ou deux cuillères à soupe. Donc j'ai du lait soja vanille. En soi, c'est pas indispensable. Ça va juste rajouter un petit goût. Je sais même pas si vraiment ça fait une différence en vrai. Ça va rajouter un goût vanille. En plus, normalement, il y avait l'extrait de vanille. Ah, c'est parfait. Ouais. Et du coup, à l'écran, je vous mettrai la recette en entier. Comme ça, vous aurez la vraie recette. Je passe mon produit. Voilà. Alors non, pas avec 250 abonnés, mais... Donc vous pouvez prendre une huile neutre. Nous, on a de l'huile d'olive parce que ça ne nous dérange pas dans les desserts. Ça va donner un petit goût, mais c'est plutôt sympa. Faut pas se dire que c'est que pour le salé. Sinon, le Graal, on va pas se mentir, c'est de l'huile de coco. En vrai, je présente une recette et j'arrête pas de dire ça, on l'a remplacé, ça, on le met pas. Ouais, ouais. Une, deux... 3 cuillères et demie. Ensuite, il faut 3 cuillères à soupe d'eau tiède. Ah! Ça m'a déjà mis. Du coup, je crois que ça fait une. Bon, deux. Ouais, ça fait au moins 3. Tu crois? 2,5. Voilà, 3. Bon, 3. Ça serait très approximatif. Ça coule tout sauf dans la cuillère. Bon. Et 2 cuillères à soupe de lait végétal. C'était combien? 2,5. Bon, bah, c'est bon. 2, ça sera 2,5. Je crois qu'on va devoir rajouter du liquide. Je pense qu'on peut déjà rajouter. Comment ça se fait? Je sais pas. Écoute, j'ai modifié la recette au cours du temps. Peut-être qu'il y a une couille dans le pâté entre temps. Parce que là, on n'est pas trop sur une pâte à cookies. Bon, je passe un peu plus rapidement sur la suite, mais en gros, on a un petit peu galéré. On a rajouté de l'eau, du lait végétal et de l'huile jusqu'à temps d'avoir une texture convenable. Alors écoute, avec la force centrifuge, je savais quand j'ai appuyé, le truc est parti quoi, j'ai à peine... plus de cuillère quoi, genre là... Avec moi ça part toujours en couille hein, les recettes, hein. Je préfère prévenir. Hein. Je suis pas une grande cuisinière. Hein. L'huile c'est la vie, c'est Sissi Nua qui l'a dit. Bon après ça aura peut-être un peu le goût d'olive quoi. C'est des cookies italiens. Ok, je sens pour les pépites là. Oui, il suffit de renommer la vidéo cookies italiens, c'est bon. Et je trouve que c'est pas mal. Hein. Ouais. On va pouvoir ajouter les pépites de chocolat. Normalement, il en faut 50 grammes, il me semble. Bon, alors là, par contre, on peut pas faire des cuillères en pépites de chocolat. Sinon, on fait à l'œil, hein. Vu comment on est parti. Ça plus, ça moins. Faut pas en mettre trop parce qu'on n'est pas des grands fans de chocolat. J'ai compris ça comme si c'était un moule classique. J'ai trop peur pour notre moule là. Pardon. Excuse-moi petit. On a ensuite étalé le cookie dans le moule qu'on a fait précédemment. C'est vrai. Pas bon? Si. Ça a le goût d'olive à la fin quand même. On fait des petits tas avec ça dans un autre petit plat. Un plat ou la vue comme tu veux? Ouais. Oui plat ou y a vue. Comme tu veux. Ah l'un ou l'autre, oui. Ah. On a galéré de ouf à faire fonctionner le four parce que Annaëlle vient de déménager, donc c'est un nouveau four. On n'avait pas la notice et il y avait un bouton pour tout faire, sauf que quand on appuyait dessus, il se passait rien. Et on enfourne 15 minutes à 180 degrés ou 160 degrés avec chaleur tournante. Et on met un petit minuteur. On revient de notre petite session de patin à roulettes, le temps que les cookies cuisent et refroidissent. Mais du coup, si vous voulez nous voir galérer en patin à roulettes, c'est sur la chaîne d'Anaëlle. Et maintenant, place à la dégustation parce que après l'effort, le réconfort. Voilà.
Non, je vais pas pencher plus que ça. Hein. Bah non, il y a un petit goulu qui vient. Petit dessin. Petit dessin. Moi, je... Merci. Ils sont mous. Hein. Bah, ça va être bien. Ça sent moins la huile d'olive. T'as dit ça sent vraiment ou ça sent moins? Moins. Par rapport à quand c'était cru? Ouais. Je suis d'accord. On avait pas eu trop de soja vanille et tout parce que c'est... Ouais. Non, mais ça, je pense que je me suis plantée dans la farine. Parce que vraiment... C'est parti, on découpe le Mickey. Non, même l'oreille, je pense que ça va être compliqué. Ouais, non, ça va. Du coup, si jamais vous reproduisez la petite recette, dites-le moi dans les commentaires. Je serais ravie de le voir et je voudrais savoir surtout si vous l'avez bien aimé. Et surtout, merci de m'avoir accueillie chez toi. C'était très sympa cette petite journée. Trop courte, mais... Et en espérant que Anaëlle revienne sur la chaîne. En attendant, vous pouvez, comme je l'ai dit, aller voir sa vidéo et on fait de très gros bisous. Il y a un petit chat qui veut pas que je parte. Il surveille mes affaires.